Putain, c'est journée bouteille de gaz. Six minutes. Désolé copain, mais j'ai besoin de... Oh! Comment est-ce que tu me donnes là? Merci. Est-ce que t'as du carburant? Ce serait parfait. Un petit carburant? Putain, il a des disques durs. Hein. Oh là là! Putain, c'est journée bouteille de gaz. Donne-moi tes hoses. Le gaz, à la limite, donne-moi le moteur. Oh, ça c'est bon. Oui. Alors, j'en étais où? Ça on va le mettre là. Ça je le prends pas. Ça je le prends pas. Ça dégage, ça dégage. On va mettre ça et ça là. Ça on va le mettre là. Ça ici. Donne-moi ça. Et puis ça et ça. Voilà. C'est plutôt pas mal là. Par contre t'as pas de carburant. C'est un peu con hein. T'as pu me filer du carburant. T'as... Bon. Oh, du carburant. Dérapage. Voilà, faut se dépêcher. Voilà, super. Bon, maintenant il faut faire attention parce que... Lecteur DVD ici quoi. Celui-là se déplacer. Allez, 3 minutes, on y va. Allez, en essayant de ne pas se faire fumer par un scav. Hein. Là, j'ai traité un de leurs copains.
Allez. Bon, c'était un petit scav léger, hein, c'était histoire de te montrer ça. C'est cool, j'ai du carburant, je vais pouvoir foutre ça dans mon générateur, avoir 15 heures de plus d'autonomie. Aussi, si on s'en fout, ça par contre c'est pas mal, fais voir. Ouais, c'est une arme que je. Oh, ok, en plus elle est liftée au bout. Un peu sa mère, mais je suis sûr que ça marche très bien ça. Inspect. Inspect, j'ai dit. C'est bizarre, je l'ai analysé. Item is not examined. Bah si. Ah, c'est peut-être le support. Fais voir. Non, même pas. Item is not examined. Bon, ça c'est un bug, je pense. Faut juste relancer le jeu. C'est pas grave, on verra plus tard. Carburant. Carburant il est là, on va aller là, on va aller dans le bunker, hop, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que je suis en scav moi, faut que je transfère tout, sinon je perds tout. On met ça là, le sac ici, ça là, le gilet, on va le mettre là, le clutch ici, le banana là, c'est important. Le prends pas, yes. Ok, j'ai du pognon. C'est qui m'a payé? 70 000, merci messieurs. Encore un? C'est les deux bidons de tout à l'heure. Hein. Putain, les mecs, ils ont acheté deux bidons vides 70 000. Putain, comment qu'ils regardent pas les gars? Ok, on va dans le bunker. Hop là. Là t'as ton armurerie, je vais réouvrir. Mais là faut que j'ajoute le générateur. Remettre un peu de pétrole, 60 litres. Autonomie 28 heures, donc jusqu'à demain soir, c'est pas mal. Je vais aller voir si. Ah non, il a pas fini. Je suis en train de créer là des médics, deux trousses de soins. J'ai récolté ça, donc tu peux faire ça. Voilà. Choc. Oh, ma petite cuisine elle a poussé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ouais, je peux faire des Winston. Ah, du sucre. Ouais, vas-y, produit parce que je crois que j'en vais avoir besoin. Donne-moi ma truc, ma mallette que j'avais besoin. Ça, ça c'est bon. Il faut deux trucs bleus pour faire deux hoses. Ok. On va sortir du bunker, on va retourner là. Du coup j'ai ma mallette et ça c'est cool parce que c'est une mallette qui te permet de ranger tout ce qui est chargeur. Ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux mettre dedans, une grenade? Négatif. Non, non, c'est vraiment que chargeur. Mais à la limite, vu que j'ai pas beaucoup de chargeurs, je peux la revendre. Et reproduire une autre en fait après. Oh, ça se revend plutôt pas mal. Plutôt pas mal.
Ok. Bon. Je suis pas en chien d'argent, je vais la garder pour le moment. On va déballer le jackpot. Donc là le moteur. Ça c'est important, j'en avais vraiment besoin. Ça. Du jus de pomme pour boire. Les deux hoses. Ah putain, je manque de place. Hein. Je manque de place. Voilà. Alors, on va aller chez le vendeur. Ragman, on va vendre le sac. J'aime pas du tout ces sacs là, c'est violet, ça se voit de loin. À chaque fois que je prends ça, je me fais poutrer. Peacekeeper, j'ai besoin de le monter impérativement. Donc on va mettre ça là, ça là. Ça je vais le garder, le faire jouer avec. 521$, c'est toujours ça. Oh. Y'en a toi. Ça c'est pas mon truc. Ça je retrouve très souvent. Alors c'est pas quelque chose que je peux garder. J'en retrouve beaucoup. J'en avais pas un deuxième. Bon, je sais plus. On va vendre le moteur parce que j'en ai déjà de côté pour le prochain build dans le bunker. Comment ça se revend ça? 51 999, le moins cher. Allez, on est gentil ce soir, on va mettre à 50 000. Donc là, c'est des joueurs qui achètent. C'est 50 000, je fais une offre à 50 000, et généralement, en moins de 2-3 minutes, touche tes sous. Ça, c'est... Je vais en avoir besoin. Alors, je sais plus pourquoi. 35 000, ouais. Ça vaut 35 000. Ah, il est là, mon truc. Ok, j'ai phone. Ça je vends, ça je vends, ça je vends. Carte à puce quoi que. Je crois que j'en ai pas mal là, de côté. Carte à puce, j'en ai une là. Ah, j'ai une flash drive ici. En fait je stocke un peu partout. Vu que je. Ah j'ai deux flash drive. Ça c'est intéressant, je me rappelais pas. Les soins. J'en stocke partout, c'est juste affreux. Les hoses, je vais les mettre là. J'ai pas beaucoup de place. Ah, oh, bah voilà, le moteur est déjà parti. Combien? 50 000, merci monsieur. Chut, hop. On va déplacer ça, on va foutre la nouvelle liasse là. Les cagoules, bien rangé. Voilà. Et après, je... tiens, des petites armes perso que je modais. Celle-là elle est en cours de modding. Ouais, hop. Attends, très bien. Je vais finir. Est-ce qu'il prend les sacs? Ah il prend. Cool. Allez, hop, 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 hop. 728$. Les lunettes, j'aime pas trop, je le dégage. Le gratch. Ah, le gratch. Je l'inspecte. Je l'enlève, la lumière. Je vends. Et par exemple, la lumière, je la verrai bien. Pas mal comme M4. Ça marche très bien. Je suis très R15, moi, personnellement. La lumière on va la mettre là. Bam. Juste en dessous. Ça me permet de pouvoir l'allumer. Voilà. Escape from Tarkov.